Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter, voilà. Donc je parlais tout à l'heure d'un véritable clivage, un clivage entre deux parties vraiment de la société, ce qui est dommage parce que on a envie d'y croire, on a envie, nous, on se bat pour que les choses changent, pour que les choses évoluent, pour qu'on ait une société non plus à double vitesse, mais une société où le vivre ensemble sera primordial, où tous ensemble on se battra non pas pour exploiter son prochain, mais pour ensemble monter l'économie déjà du pays, mais surtout vivre dans un monde où la joie sera primordiale. C'est un... Deux, vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. J'ai rien à vous offrir. Je ne suis pas motivé par l'argent, monsieur Dolan. Je cherche simplement à faire éclater la vérité. Ah, putain, vous êtes malade! Intéressant. Un système sensoriel reproduit à la perfection. Qu'est-ce que vous insinuez exactement? Monsieur Dolan. Je vous accuse d'être un robot. Bon, ben ça, qu'est-ce que j'ai dit? Un robot? Bonjour, je suis un robot. Tu vas la fermer, oui? Oui. Monsieur Dolan, je trouve que vous défendez la cause des robots avec beaucoup trop de ferveur. Et ça fait de moi une machine. C'est pas ce que j'ai dit. Je me demande simplement pourquoi personne n'y a pensé. Sincèrement, j'ai pas envie de casser votre truc. Hein. Je vois que vous avez fait des efforts, c'est un petit peu sombre, vos dialogues sont plutôt travaillés. Alors, sincèrement, ça marche pas trop. Sérieusement, voilà comment je vois les choses. Je vous ouvre le bide et regarde à l'intérieur. Pourquoi faire? T'es bouché ou quoi? Pour voir si t'es un robot? Ah, mais parce que... Si vous plaisantez pas? Ça a commencé par des aspirateurs, des grippins. Puis on vous a donné une voix, des articulations. Maintenant, vous êtes partout. Vous vous occupez de nos gosses, lavez nos voitures, faites la vaisselle. Mais vous n'êtes rien plus qu'un ersatz d'humanité dépourvu d'âme. Et bientôt, tous les robots seront comme vous et on ne pourra plus vous différencier des vrais humains. Donc, vous me prenez pour un grippin? Mais faites pas dire ce que j'ai pas dit! Je dis juste qu'on peut pas accuser quelqu'un de pas avoir fait quelque chose qu'on le voit pas faire. Moi, je ne l'ai pas vu faire cette chose qu'il n'a pas faite. Non. Ouais, non. Mais du coup, ça marche pas. Non, c'est pas. Du coup, ce serait plutôt à moins qu'on ne l'ait pas vu faire cette chose qu'il. Oh, la ferme! Bon. Imaginons que vous m'éventrez comme ça à froid. Pour vous rendre compte que je suis un humain. Ouais. Bah, éthiquement, c'est pas possible. On tue pas comme ça un innocent. Je suis pas un robot, putain. Personne, monsieur Dolan. Vous êtes la peste et le choléra à la fois. Vous êtes le fléau de ce monde. Une sous-merde, je déteste. Vous puez la peur, monsieur Dolan. Et le brûlé? Le brûlé? Mais lâche ça, putain. Mais... Ah, mais il est dans le con, mais c'est pas possible. Ah, assis-toi, t'es gonflant. T'es gonflant. Ah, il gonfle. Bon. Je ne vais pas prendre le risque de vous ouvrir le ventre. J'ai un moyen beaucoup plus fiable pour affirmer mes hypothèses. Oui. Car comme tous les robots, vous répondez aux trois lois de la robotique. Parce que, comme tout outil, vous avez été créé pour qu'on puisse vous utiliser normalement. Du coup, le couteau a un manche et l'épée a une garde. Et selon la première loi de la robotique, vous ne pouvez pas porter atteinte à un être humain. Attendez. Je me fais chier là, vous entendez? Frappez-moi, monsieur Dolan. Quoi? Si vous me frappez, je serai obligé d'admettre que vous n'êtes pas un robot. Mais je vais pas vous frapper. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie, c'est tout. Donc vous êtes un robot. Et vous, un salomano? Quoi? Sérieux, je vois que ça, vous voulez que je vous frappe? Frappez-moi. Vous voyez? Frappez-moi! Salomazo. Robot. Salomazo. Robot. Salomazo. Robot. Là, ça vous va? Mais c'est impossible!
Laissez-moi réfléchir. Il y a forcément une faille. Vous êtes borné, mon pauvre. Il faudrait peut-être changer de mentalité. À quoi bon blâmer les robots? Il y a à peine 2 semaines, j'ai perdu mon travail à cause d'un robot. Ah bon? Vous avez perdu votre job? Ils ont trouvé une machine beaucoup plus efficace pour classer leur putain de paplard. Bonjour! Vous me reconnaissez? Évidemment. Laissez-moi vous présenter un outil révolutionnaire. Robo Bureau est une révolution. Vitesse de travail, entretien facile, fidélité inégalable. Il peut aussi vous faire un café et animer vos soirées CE. Wir beschäftigen uns seit Le robot bureau est vraiment génial. Der Roboter ist absolut fantastisch. Il fait les courses hier et promène votre chien. Ein Wort Deutsch, deswegen kann ich Ihnen sagen, c'est dass vraiment super. Eine absolute Scheiße ist. Vous en avez marre de vos employés de bureau un peu chiants? Pour vous, il est temps d'investir dans le. Hey. Avant, j'avais des salariés et puis maintenant, depuis que j'ai Robo Bureau, plus besoin de salariés. Je les ai tous licenciés. Avant, j'avais des salariés syndiqués. Maintenant, j'ai Robo Bureau et ils ne mouffent plus. J'ai une grosse voiture et ma peau est plus douce. Avant, j'avais un travail. Toujours le même discours, ils nous volent notre travail, tout ça. Vous savez, je pense qu'un robot serait bien mieux placé qu'un humain pour diriger un pays. Bon, je pense que vous avez plus envie de m'ouvrir le vide. De quoi? Je serais pas trop contre l'idée de rentrer chez moi là, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah, sans rancune. Sans rancune. Vous êtes un robot, quoi? C'est bon. Excusez-moi, mais là vous êtes un robot. Juste parce que j'ai eu une petite bonjour, la vidéo sera présentée aujourd'hui par Jean-Michel Huppert et... Kucho, non le managou shippasso. Une tasse de thé, mademoiselle, avec 2 sucres... Un problème? Tu bouges pas. Bougez. Restez là. Je reviens. Restez là. Je remets le sac sur la tête. Quoi? Bah tout à l'heure il avait un sac sur la tête. Oui mais pour l'enlever. Oui mais je vais pas enlever un sac qui n'existe pas pour l'instant donc je vais lui remettre. Mais c'était pour l'enlever lui espèce d'abruti. Mais il a pas de sac là sur la tête. C'était pour enlever la personne. Pour enlever le truc. Donc je remets un sac. Mais pourquoi foutre? Mais pour l'enlever après. Mais c'est pas Dieu possible d'être aussi con, c'est pour l'enlever lui, la personne, pas le sac, il a pas de sac sur la tête. Donc je mets pas de sac. Non tu te casses maintenant. Non tu te barres. Là. Tu te tires. Eh oh! Petit con! Ah, putain, vous, c'est pareil, vous lâchez pas l'affaire! Hein. Vous êtes foutu de ma gueule. Et j'aime pas trop ça. Vous comprenez ou pas ce que je dis là? Je suis un humain! Humain! Soyez pas de mauvaise foi, monsieur Bella. Ok, non, ça, c'est pas ce que vous croyez. Je peux expliquer. Je vous écoute. C'est tout bête. En fait, ce sont mes vrais boyaux. Hein. C'est juste qu'une fois, je me suis baladé dans un entrepôt où il y avait plein de produits chimiques. Des produits classés X et Y, je crois. Mais les ondes qu'ils nous envoyaient, les ondes, ça m'a fait paf, tout ça, c'est devenu des tuyaux, comme ça. Très fort. D'accord. Je suis un robot. Une dernière chose avant de vous couper la tête. Comment vous avez fait pour me frapper? Selon la première loi, vous ne pouvez pas frapper les humains. Non, un robot pourra jamais frapper un être humain. À moins que... De quoi? Que quoi? Vous avez pas fini votre phrase. Laquelle? Bah là, vous avez pas fini votre phrase. Ah si, j'avais fini. Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Monsieur? Ouais, Roger, ça va ou quoi? Tranquille. Dis-moi, t'as pas un chargeur T3000? Ouais, le mien est tombé en rade et j'ai pas sur moi, ouais. Ouais, bah je vais bien chercher. T'es où? T'as la quoi, Splash? Non! Avec Odile! C'est pas vrai! Y'a 2 raies! 3 raies! S'il vous plaît. Et 2 raies moches.
C'est que on m'attend, moi. Hello, little boys and girls. You wonder why I'm here to annoy the world. I'ma go ahead and take your toy, your purse. Bury it 6 feet under the soil of earth. Full pleasure, more measures. If I'm feeling no better, go get your gold treasure. I'm so fed up with your method of.